Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et bien pour vous parler de ce mois de septembre 2019 Parthanas. Donc, que sera ce mois de septembre 2019? Le mois d'août a été un mois très vibrant avec certains des meilleurs aspects astrologiques de l'année, y compris évidemment la nouvelle lune qui a eu lieu en Vierge et qui a eu lieu ce 30 août 2019. Bien que les énergies de la nouvelle lune se répandent jusqu'en septembre, c'est un mois beaucoup plus calme et qui nous guidera pour rester enracinés et concentrés. Si le mois d'août a été un mois où nous nous sommes élevés, septembre sera le mois où nous serons encouragés à ramener ce que nous avons appris sur Terre. Durant la première partie du mois, avec le Soleil en Vierge et six autres planètes en signe terrestre, nous ressentirons le besoin de nous ancrer et de penser à notre routine quotidienne. C'est parfaitement bien d'avoir de grandes visions et de s'efforcer de réaliser nos rêves, mais sous cette énergie, nous devons attirer notre concentration et notre attention sur la façon dont nous passons réellement le temps de notre journée. C'est ce que nous faisons jour après jour qui crée notre vie, n'est-ce pas? Alors pensez à votre routine quotidienne et à la façon dont vous pouvez faire les choses et prévoir plus de temps pour ce que vous voulez vraiment faire. La première partie du mois est également idéale pour vous organiser, pour vous débarrasser du désordre, peut-être à la maison ou dans votre esprit, et pour vous assurer que votre routine vous laisse le temps de prendre soin de vous. Est-ce que votre routine vous laisse prendre le temps pour vous? Nous vivons dans un monde où tout va tellement vite et nous nous oublions. Eh bien, profitons de prendre du temps et du temps pour soi. L'énergie de la Terre aime que les choses restent pratiques et simples. Alors soyez réaliste quand il s'agit de vos objectifs et de ce que vous voulez faire. Rappelez-vous, ce n'est pas le moment de rêver, mais bien le moment de passer à l'action. Si vous vous êtes senti léthargique, démotivé, ou si les choses avancent trop lentement à votre goût, eh bien, le mois de septembre peut aussi vous donner l'élan que vous recherchez. À partir du 2 septembre, nous avons la rencontre du Soleil et de Mars. C'est une journée de grande énergie qui nous donnera l'impulsion dont nous avons besoin pour faire bouger les choses. S'il y a quelque chose que vous aviez l'intention de faire ou quelque chose que vous souhaitez rayer de votre liste de choses à faire, passez à l'action autour de cette date, car vous pourriez constater que les choses se font beaucoup plus vite que prévu. Au cours de la deuxième semaine de septembre, nous avons aussi deux journées puissantes en numérologie, les 9 et 11 septembre. Le 9 est considéré comme un nombre important en numérologie, car c'est un des nombres de la création. Le 9 septembre, nous avons le code de numérologie 99 qui augmente la vibration créative et nous aide à réfléchir sur l'intégrité, l'achèvement et notre connexion spirituelle. Le 11 septembre, nous avons le code de numérologie 911
qui est un nombre qui est dit pour activer la guérison et l'énergie des travailleurs de lumière. Alors septembre est aussi le mois de l'année où les leçons de notre numéro d'année personnelle sont renforcées. Le 14 septembre amène la pleine lune dans le signe des poissons. C'est une pleine lune émotionnellement sensible qui aidera à adoucir une partie de l'énergie terrestre que la première partie du mois nous a apportée. Sous la lumière de cette pleine lune, nous pouvons avoir une percée émotionnelle où de nouvelles informations peuvent venir à la lumière pour vous aider dans votre voyage. Vu que les poissons sont un signe très sensible, n'est-ce pas, et créatif aussi, hein, nous pouvons aussi sentir que ces zones sont surélevées. Après la pleine lune du 14 septembre, Saturne tourne directement après avoir été rétrograde depuis avril 2019. La rotation directe de Saturne est un moment charnière, car maintenant elle va marcher en avant vers Pluton, sans aucune interruption. Et l'alignement de Saturne et Pluton aura lieu en janvier 2020. Mais nous commencerons à le sentir vers la fin de cette année. Il s'agit d'un alignement profondément transformateur qui nous apportera beaucoup d'énergie pour travailler à la fois au niveau personnel et mondial. Le 21 septembre, c'est la dernière réunion de carré, du carré Jupiter-Neptune. Jupiter et Neptune se sont affrontés 3 fois cette année. Et la première en janvier, la seconde était en juin. Et maintenant, la dernière réunion aura lieu ce mois-ci. Vous pouvez en savoir plus sur cette énergie ici, mais au fur et à mesure qu'il s'approche de leur rencontre finale, une nouvelle vérité peut être révélée où nous pouvons découvrir que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. C'est un grand moment de cristallisation qui peut délivrer de grosses bombes de vérité. Bien que cela puisse représenter un défi, nous nous sentirons plus confiants dans l'élaboration de plans, dans la confiance en notre intuition, vous savez, notre petite voix intérieure, et dans l'avenir. 21 septembre, l'équinoxe et le mouvement du soleil entrent dans le signe air de la balance. C'est un tournant dans l'année astrologique et représente le début d'une nouvelle saison. Nous ressentirons tout ce changement d'énergie et peut-être même commencerons-nous à penser, à conclure et à mettre un terme aux choses que nous voulions réaliser cette année. Alors septembre se termine avec la nouvelle lune en balance le 28 septembre, ce qui nous aidera à intégrer les leçons que le mois nous a apportées. Tout au long du mois de septembre, nous avons été encouragés à nous organiser, à régler le désordre et à travailler nos horaires pour qu'ils reflètent la façon dont nous voulons passer notre temps. Et sous cette nouvelle lune, la dernière pièce du puzzle sera mise en place. La facilité. Nous serons capables de prendre tout ce que nous avons découvert et appris et de l'intégrer d'une manière qui apporte aisance et équilibre dans nos vies. Je vous remercie de votre écoute. Je remercie tous mes abonnés. Et je remercie ceux qui ne sont pas abonnés. C'est l'occasion de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Merci avec toute ma gratitude.
On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. Je vous embrasse. À tout bientôt.